Ludo, t'es là? Tu m'appelles bien? Oh, non, bah j'y retourne. Non, laisse, je vais le faire. Parfait. Tu vas ce soir? Ouais, comme d'hab. Et dire que pour le reste du monde, le samedi, c'est le week-end. Tiens, ferme les yeux. Quoi? Il se passe quoi, là? Chut, c'est une surprise. Et fais ce que je te dis pour une fois. Pourquoi? Je crois qu'il veut te faire une surprise, joue le jeu. Là, tu essaies de faire une surprise, là. On va faire un effort, non? Ouais, ça va, 2 secondes. Voilà, ça y est. Bon, Ludo, là. Attends, il y a un truc qui est en train de cramer. Ouais, bon, bon anniversaire. Ah, bravo, essaie de rattraper le coup maintenant. Oh, waouh! Oh, mec! Oh, t'y as pensé, c'est. C'est. T'as arrêté ton cirque. Oui, bah excuse-moi, je ne veux pas savoir. Oui, c'est un peu le concept d'une surprise, je te ferais dire. Fois qu'il fait un truc désintéressé, ils sont génial. pas croyables. Hein. Eh ben, tu ne chantes pas la petite chanson? Ne rajoute pas non plus! On va pas abuser, hein. Déjà que j'ai fait le gâteau. Attends, tu l'as pas acheté celui-là? Le roi du tapis. Non, monsieur, c'est moi qui l'ai fait. Je vois qu'on s'améliore. Voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne. T'as j'ai bien entendu, là. Ouais, par contre, t'emballe pas. C'est une recette que j'ai trouvée sur internet, alors. Ah ouais. Ah non, mais je dis pas après ou encore, c'est même pas. Sur 750g.com. Ouais, c'est ça, ouais. Bon choix, ça c'est un bon site. Hein? Tiens, passe-moi le couteau, il est où? Il est là. Tac, c'est moi qui coupe parce que j'aimerais bien avoir des parts égales pour une mais fois. Mais arrête un peu! Je peux mentir les bougies? Voilà. C'est pas censé péter, là? Si. Ah merde, j'ai pas pris les assiettes par contre. Ah non, laisse tomber, elles sont toutes sales. Ouais, je vais faire la vaisselle hier, désolé. C'est pas grave, on va faire avec le sopalin. Tiens, hein? Ah bah non, voilà. Monsieur, merci bien. Monseigneur. Attends. Voyons voir ça. Attends, laissez. Là, ça va péter. Franchement, il est super beau. Bon, merci. Non, sérieusement, il est top. Attends. C'est quoi le petit arrière-goût en fin de bouche là? La fleur d'oranger. La fleur d'oranger, voilà. Tu vois, j'ai toujours dit la fleur d'oranger, ça équilibre les goûts. Ouais. C'était dans la recette ça? Non. Mais comme je fais souvent dans les gâteaux, je me suis dit pourquoi pas essayer. Par contre, j'ai galéré à la trouver. Tu ranges jamais du placard? Si. Une fois par an. Comme toi avec ta chambre, quoi. C'est drôle. Allez, bon anniversaire. Santé. Allez. Merci pour le gâteau. Je t'en prie. On profite en parce que dès que je pars pour le boulot, je défonce. Ah ouais. Tu rentres là avec? Non, bah, non, parce que c'est un cadeau personnel. Non, non, c'est pas. Ok. Il s'est passé quoi là? Alors je sais pas, mais je pense que c'est un des signes de l'apocalypse quand même. Je pense que c'est la surenchère de. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez toujours nous laisser un pouce bleu et vous abonner à la chaîne YouTube et Facebook du Bureau des Consciences. Et nous vous rappelons aussi que malgré toute la bière que nous avons ingurgitée pendant l'épisode, eh bien l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Surtout si vous commencez à faire la danse des pingouins avec des canards. Ou si vous voyez des canards faire la danse des pingouins. Si vous... Enfin, c'est dangereux. Au revoir.